Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouveau combat versus abonné. J'espère une chose, c'est que mon Persillan va avoir du boulot aujourd'hui. Parce que oui, hein, je fais pas une team avec Persillan pour pas le sortir. Après je voudrais pas le sortir dans un combat où il a absolument aucune raison de sortir, mais vraiment, enfin Persillan quoi, voilà. Enfin, je veux vraiment vous montrer de quoi il est capable. Alors, oui, il y a mieux que lui, clairement. Mais il est tellement drôle. Alors, dans la team de William, nous avons Latios, c'est-à-dire qu'on voit très rarement. Motisma, Laveuse, qu'on voit un petit peu dans le format, mais pas beaucoup. Kangourex, Xaneas, Groudon qui est primo, Groudon j'imagine, et Kangourex méga, j'imagine. Et Noacier. On va faire comment face à cette team. Alors, attendez, je me rappelle plus du moveset de mon Ostenfer. Ok. Attends. Je vais vérifier un truc. Ok. Voilà. J'étais pas sûr de certains trucs. Parfait, et mon persillant, attends. Je me rappelle tellement plus de ma team. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai vu ce que je voulais, c'est bon. Alors, on va prendre contre William. Ah non, je peux pas faire ça. Si je prends lui. Non, ta gueule. Si je prends lui et en dernier. Est-ce que je prends persillant en dernier? Je sais pas. En dernier, c'est pas une bonne idée en fait, c'est ça le problème. Quoique non, bah attends. Non. Ça, et... Et en dernier, je prends qui? Bah oui, lui, obligé. Allez, go faire ça, persillant. Je peux franchement le sortir dans ce combat, donc j'en profite. Je suis comme un gamin, là clairement. Avec mon petit persillant. On m'en dirait de nouvelles. Alors, le problème, c'est que si ça envoie Kangourex Xerneas, c'est compliqué. Et ça envoie Kangourex Xerneas, c'est formidable. Bon, alors, on va faire comment, du coup? Formidable. Bon. C'est compliqué. Pour faire simple, c'est compliqué. Ici, si ça bluffe Mewtwo, est-ce que j'ai envie de poser ma gravité maintenant? Oui, je pense dans tous les cas, j'ai envie de poser ma gravité. Quoique, attends, non. Ici, il faut absolument que je switch in pour Ectoplasma et que je fasse. Non, on va plutôt faire ça. On va plutôt faire le contraire. Poser gravité et switch out persillant. Du coup, pas de bluff de mon côté. En espérant que ça bluffe persillant. Quoique, je sais pas si William sait que persillant a accès à bluff. Et que persillant est plus rapide que Mega Kangourex. Même si on sait, sans voir le Pokémon fréquemment, on sait que persillant est un Pokémon rapide, mais quand même. Ça fait abri, bluff. Enfin, ouais, ça fait abri bluff. Je pose pas ma gravité. Si je pose pas ma gravité, c'est pas grave, hein. C'est pas grave de pas la poser, ça fait bluff sur qui? Sur Mewtwo évidemment, puisque ça touche et ça va poser Géo Contrôle. Ok, d'accord. Exploforce! Ah non, alors Exploforce, ne jamais jouer Exploforce sur Xerneas, c'est vraiment très mauvais. En duo, Exploforce, une attaque à proscrire, parce qu'une attaque à 70% de précision, vous pouvez pas compter dessus. Clairement, en duo, si vous loupez une attaque que vous devez réussir, une attaque avec Exploforce, c'est une attaque que lorsque vous la loupez, ça vous fait totalement perdre le combat. Donc vous pouvez pas miser sur une attaque qui vous fait perdre le combat une fois sur trois, quoi. Clairement, on ne peut absolument pas compter dessus. Ici, on va y aller pour Gravité et Hypnose sur Kangourex. On ne l'a pas posé la gravité, on va le faire une bonne fois pour toutes. Ça retient Xerneas. Oh oui, ça c'est bon ça. Ça c'est excellent. Oh, c'était tellement bon ça. Bon, au cas où, enfin, même si le Xerneas avait posé, j'avais placé Géo Contrôle, j'avais une solution, c'était bain de smog de la part de mon ectoplasma. Et c'est pour ça que j'ai un ectoplasma ceinture force bain de smog, c'est justement pour empêcher les Xerneas de se placer. Enfin, si, je les laisse se placer, mais voilà, ils en profitent pas, tout simplement. La gravité. Et grâce à la gravité, je ne vais pas louper Hypnose avec mon ectoplasma. Donc bonne nuit, Kangourex. Ça, c'est fait.
Parfait. Non, il peut pas s'abriter, il peut pas faire coup bas, il a pas encore passé son tour de sommeil garanti. On va donc pouvoir faire Exploforce. Alors je viens de vous dire à l'instant qu'Exploforce c'était de la merde. Je viens de vous le dire que c'était de la merde. Mais je joue Gravité. Et grâce à Gravité je ne loupe pas Exploforce. Et sur Groudon on va faire évidemment Hypnose qui ne va pas louper. C'est quand même drôle, hein. Le jour où je vous dis Exploforce c'est de la merde, je joue Exploforce. Pour... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je joue Exploforce en duo. Et on part donc sur une petite Exploforce qui ne loupe pas. Au revoir Kangourex. Voilà, Exploforce qui fait... Bon, j'ai même pas besoin du coup critique, puisque Exploforce fait le chaos en un coup sur, sur Mega Kangourex, alors que Horasphere ne le fait pas avec Mega Mewtwo Y. Et ça, c'est super important. Hop. Bonne nuit, Groudon. Par contre, lui, il prend son tour de sommeil garanti maintenant. Ça, c'est important de le signaler. Il prend son tour de sommeil garanti maintenant, donc il peut se réveiller au tour suivant, c'est possible. Il a une chance sur 3 de le faire. Est-ce que ça renvoie Xerneas maintenant ou quelqu'un d'autre? Il y a Latios, Motisma Laveuse et Noacier. Ok, ça renvoie Latios. Alors, j'ai un peu peur qu'il n'ait reflet magique ce Latios. J'en ai peur et c'est tout à fait probable. Il y a encore Xerneas derrière. Il faut que je préserve mon ectoplasma, je pense. Attends, si je fais frappe psy et châtiment... J'ai très peur qu'il fasse ce reflet magique, le Latios. Hein. J'en ai vraiment très très peur. Et il était peut-être là pour ça, quoique... En même temps, ouais, Kangourex Xerneas, ça mettait tellement de pression. Mais au final, j'ai fait le bon call en envoyant ectoplasma. Je pense que c'est le switch in ectoplasma tour 1 fait clairement la différence dans ce combat. Après, c'est pas fini. Ah, ça fait pas reflet magique, j'aurais dû faire hypnose, c'est dommage. C'est dommage. Et frappe psy, mais pas KO en Groudon en deux coups, puisque ça tape sur la défense. C'est le problème de frappe psy. Enfin, le plus gros problème de frappe psy, en fait, c'est Primo Groudon, tout simplement. La Dracométeur, elle est pour Mega Mewtwo Y. Alors ça fera le KO, hein, j'en doute pas, vu les PV qui me restent, même si j'ai une bonne défense spéciale. Ah, ça reste Latios, hein. Faut pas déconner avec Latios. Est-ce que Groudon se réveille? Une chance sur 3. Il est lifeform le Latios, ok, c'est important de le remarquer. Et non, ok, ça c'est parfait. Vraiment parfait, parfait, parfait. Persillon est plus rapide que Latios et ça c'est génial. Et Persillon va faire un KO, les gars. Persillon va faire un KO. Alors ça, à moins qu'il envoie son Xerneas, ce qui est tout à fait probable. Il peut envoyer son Xerneas à la place de son Latios. Et s'il fait ça... Ah mais attends, mais non, on est encore sous gravité. J'ai encore mieux, je fais hypnose sur Latios. Et châtiment sur Groudon. Et non, j'ai encore mieux. Hypnose de Persillon. Et voilà, et c'est là que Persillon prend tout son sens, évidemment. Hypnose de Persillon sous gravité, ça ne peut pas louper. C'est génial. Oh, le Latios avait gagné le speed tie contre Ectoplasma. C'est pour ça que je voulais neutraliser le Latios. Alors mieux vaut un Pokémon neutralisé plutôt qu'un Pokémon mort, hein, souvent, chez l'adversaire. Hein. Enfin, c'est mieux d'avoir en face un point mort plutôt qu'un Pokémon KO. Très 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 souvent. Là le Latios il peut rien faire, je peux le tuer au tour suivant. Il peut pas m'en empêcher. Donc on se met extrêmement bien. Est-ce qu'on est encore sous gravité? On est encore sous gravité pendant un tour si je ne m'abuse. Hein. Oui, on y est encore. Donc ici je peux tranquillement faire sabotage sur Latios. Hypnose sur Xerneas. Et je vais vraiment faire un KO avec Persillon. Cette fois-ci je vais vraiment le faire. Oui. Eh oui, c'est bon, c'est bon. Persillon, je t'aime, oui. Incroyable. Hypnose sur Xerneas. Ah, je gagne une game avec Persillon, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, c'est tellement bon. Et y a plus de gravité. Bon, alors derrière, j'avais un Groudon dans Slame. Lame Pangéenne. Sous gravité, Lame Pangéenne ne loupe pas. Et avec, après, dans Slame... Ça fait des dégâts incroyables. On va faire grincement pour lui montrer que je l'ai. Et ici, châtiment fait plus de dégâts. Hein. Châtiment fait plus de dégâts. Parce que Bardo Smoke c'est du x2. Châtiment passe à x2. Ouais, ça fait plus de dégâts. Châtiment fait plus de dégâts, sachant que le Xerneas s'est endormi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je pensais pas faire aussi mal. Hein. Ouh, ça fait mal. Est-ce que sabotage fini? Est-ce que sabotage finit le travail? On veut le savoir. Non, il est à moins 2, mais enfin quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Non, Persillon ne frappe pas 2 KO dans ce combat. C'est dommage. C'est bien dommage. On est un peu déçus. Ouais, c'est vrai.
J'allais pas faire Bird of Smoke. Ouais, j'aurais pu faire Bird of Smoke pour le montrer. Oui, j'aurais pu faire Bird of Smoke pour le montrer. En tout cas, GG William, j'ai gagné avec Persian. Persian en vie et qui a pas perdu un PV. Non, mais c'est pas possible. Oh putain. Alors, ça fait quoi? Ça fait, je sais plus. Enfin, la semaine dernière, je vous ai joué une équipe à la con. Enfin, à la con. Non, à la con. C'était trop bien. Avec, c'était la semaine dernière, hein, la team Abîme. Imitation. C'était la semaine dernière. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, dans les semaines à venir, en versus abonnés, j'ai des tas d'équipes très drôles à vous sortir. Je vous ai préparé plein de trucs. Alors, il y a des trucs qu'on m'a proposé. Il y a des trucs que j'avais vus. J'ai essayé de trouver des variantes. Et j'ai aussi imaginé des trucs moi-même. Et ça arrivera dans les semaines à venir en versus abonnés. Et le prochain, c'est. La semaine prochaine, c'est mardi. Alors, salut tout le monde! Thank you.